Il est vraiment vivant. Alléluia. Ah ouais, il est vraiment vivant et il est agissant dans nos vies. Et vous savez, lorsque Jésus était sur la terre et puis qu'il allait dans les, de ville en ville, de village en village, les gens, ils disaient des choses de lui, ils disaient qu'il fait tout à merveille, tout ça, parce qu'il faisait des choses que personne ne faisait. Il disait des choses que personne ne disait. Or bon, vous en avez toujours eu qui parlaient dans leur barbe et qui étaient là pour dire des trucs sur lui, qui n'étaient pas contents parce que Jésus venait avec la vérité. Et la vérité, elle ne fait pas toujours plaisir. Mais quand on la prend comme elle est, la vérité, alors elle peut nous transformer. Jésus a dit que la vérité vous affranchira. La vérité, elle vous rendra libre. Hein? Mais il y avait ceux et celles qui acceptait la vérité, qui surtout reconnaissait qu'il fait des choses extraordinaires, ce Jésus-là. Et on disait de lui. Vous êtes toujours là? Voilà. N'est-il pas merveilleux, lui qui fait marcher le boiteux? Regardez-le dans sa majesté, il fait même parler le muet. De puissance, il est revêtu, à l'aveugle, il redonne la vue. Du sourd, il ouvre les oreilles. Oh, ce Jésus est sans pareil. Oh oui, Jésus est sans pareil. N'est-il pas merveilleux, lui qui guérit le lépreux, qui fait lever le paralytique? Oh, que ses œuvres sont magnifiques! C'est sûr, cet homme ne peut venir que de Dieu pour accomplir ces miracles qui nous émerveillent. Et je t'assure, ce Jésus est sans pareil. Oh oui, Jésus fait tout à merveille. Vous avez quand même pas cru que je vous laisserais tranquille. Vous allez chanter avec moi si vous le voulez bien, ouais. Oh oui, Jésus est sans pareil. Oh oui, Jésus est sans pareil. Oh, oh oui, Jésus mmh. Oh oui, Jésus mmh. Oh oui, Jésus est sans pareil. Oh mon Jésus est sans pareil. Oh oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus est sans pareil. Alléluia, il n'y a personne qui soit comme lui, personne qui fasse de si belles œuvres, de si grandes œuvres, et qui dise des paroles aussi merveilleuses, qui changent la vie. Béni soit Dieu de nous avoir donné Jésus, qui est venu nous apporter la vie, nous apporter la vérité. On en a dit des choses.
sur lui, mais quand certains ont vu sa gloire se manifester, sa puissance se manifester sur les éléments, sur la mer de Galilée, il s'en était allé, ses disciples l'accompagnaient vers une autre contrée. Le maître était fatigué, il lui fallait se reposer de cette journée où il n'avait cessé de guérir, de prêcher. Il s'est endormi. Soudain, le ciel s'obscurcit, une tempête les surprit. Oh, même ces pécheurs aguerris craignirent d'y laisser leur vie. Oh, ils crièrent, Seigneur, sauve-nous. Et Jésus s'étant mis debout, menaça le vent et les flots, qui se calmèrent aussitôt. Et là, dans la barque, ils ont dit la même chose que vous auriez dit si vous aviez été là. Mais quel est donc celui-ci à qui tout obéit, la mer, le vent, les éléments, tout lui est soumis, c'est Jésus, le Messie. Et toi, mon ami, qu'attends-tu aujourd'hui pour lui soumettre ta vie? Sitôt posé le pied à terre, en bord de mer ils rencontrèrent cet homme qui, loin de ses frères, vivait nu dans les cimetières, possédé de plusieurs démons, chassé de sa propre maison, meurtrissant son corps sans raison. Sa vie n'était que désolation, il était perdu. Alors qu'il n'espérait plus, une seule parole de Jésus mit en fuite ses mauvais esprits qui le tourmentaient jour et nuit. Aussi chaque lieu, chaque village où le Christ était de passage, les malades qui venaient à lui repartaient complètement guéris. Et on disait de lui partout dans les contrées, mais quel est donc celui-ci à qui tout obéit? Esprit impur ou maladie ne résiste pas devant lui. C'est Jésus, le Messie. Et toi, mon ami, qu'attends-tu aujourd'hui pour lui remettre ta vie? Mais que de questions à son sujet! N'est-il pas fils de charpentier? D'où lui vient cette autorité? Mais qui est-il pour nous enseigner? Un homme comme lui, on n'en a jamais vu. Un tel message du jamais entendu. Mais tellement peu ont reconnu en lui le roi tant attendu. Ils l'ont rejeté. Mais le Christ Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui en sa parole ont cru, ont reçu de lui le salut. Tes péchés te sont pardonnés, ne pêche plus et va en paix. Les religieux étaient choqués, mais les pécheurs, eux, libérés. Et quand ils étaient libérés, ça n'avait rien à faire de ce que les religieux pouvaient dire. Ils avaient reçu la vie, ils avaient reçu la vérité, ils étaient délivrés. Et on disait, mais quel est donc celui-ci à qui tout obéit? Il pardonne même les péchés.
il en a payé le prix. C'est Jésus, le Messie. Et toi, mon ami, repends-toi aujourd'hui et soumets-lui ta vie. Mais quel est donc celui-ci à qui tout obéit? Il pardonne même les péchés, il en a payé le prix. C'est Jésus, le Messie. Et toi, mon ami, n'attends plus aujourd'hui, repens-toi, soumets-lui ta vie. Hallelujah.